Jean le président Rivière et qui Jean qui lecture de ça n'a vive là de en nouvelle réalité politique qui gagne aujourd'hui hein qui Jean ouais bagayo. Bon, à commencer par dire bonjour Monsieur Roy, Jean-François, bonjour tout auditeur auditrice Radio Ibo. C'est un plaisir pour moi avec nous matin hein. J'aimerais affirmer nous que moi Haïti c'est pays c'est la donne choisi vivre qui me toujours en Haïti. Et c'est un plaisir pour me répondre à invitation matin. Et effectivement oui. Oui, oui, vous m'entendez, président privé. Effectivement, Jean Oudilla, pays a depuis presque presque 10 ans, a traversé une crise sans précédent. Jodi, particulièrement, depuis le pays qui a fait choix, vivre dans un État démocratique, avec un ensemble d'institutions qui a dû gagner légitimité conseil populaire, malheureusement, nous rendons compte depuis presque 4 ans, pays a privé de toute autorité légitime. Pas gain aucun élu, alors que nous sommes État démocratique, son paradoxe. Et c'est peut-être à la recherche d'une solution à dilemme ça, que je dis là, nous retrouvons nous avec un exécutif, personne pas qu'à qualifier origine ni référence constitutionnelle qui mettait là. C'est ça, nous, le Conseil présidentiel de transition. Bon, devant le vide juridique et président Rivière, le jeu force à couper, mais ça qui arrive dans la difficulté, s'ouvre, qui gagne dans l'appréciation avec le collège présidentiel, là, parce que bon, ce n'est pas la première fois que nous avons un collège présidentiel. Dans l'histoire, nous avons gagné plusieurs collèges présidentiels. Nous avons gagné, nous avons habitué à gagner jeune, depuis l'ESCO, nous avons habitué à gagner jeune, et ce n'est pas même depuis l'ESCO. Tout pendant le 19e siècle haïtien, il y a un bon exécutif qui formait, même avec l'exécutif, ça, avec différentes personnalités, avec plusieurs membres là-dedans. Donc, dans la tradition politique, nous sommes habitués avec le mode de pouvoir, ça, au côté qui gagne, et le monde qui passe sorti dans l'élection, et que ces situations sous table, comme on connaît en Haïti, ça, Jacques Décona, l'éternelle révolution, chaque fois, et un président tombé, et il y a un vide de pouvoir, et le monde qui a plus force, ancien général, il est allé devant le Parlement avec canon, et puis il fait proclamer un monde président. Et puis, en attendant que ça arrive, vous entendez, il y a des jeunes qui formaient, il y a des conseils présidentiels qui formaient. Moi, j'ai toujours aimé une référence à un canal qui était présidé, il était président de la République avec un mandat, il fait 4 ans sous pouvoir. Après ça, il dirigeait même 2 ou 3 jeunes après ça. Et puis, nous venons dans le 20e siècle haïtien. Le 20e siècle haïtien, nous avons 3 jeunes après l'ESCO, côté qui était colonel Magloire, général Levelt là-dedans. Après, général Lavoto qui était là-dedans. Après ça, sous les Magloire perdu pouvoir, nous avons jeunes ensemble avec Kébrou, etc. Et ils ont mis Fignolé. Après Fignolé, on l'autre conseil gouvernement qui montait encore. Et puis, le dernier conseil gouvernement, nous connaît avec Sismoun, c'était le conseil national du gouvernement, les Jean-Claude Duvalier allait. Donc, ce n'est pas que nous n'avons pas une tradition. Mais je veux dire, ça qui est difficile, là, c'est que forme de pouvoir, ça, pour remplir vacances à la tête de l'exécutif haïtien, l'impliquer des acteurs de la communauté internationale et CARICOM avec à l'ombre les États-Unis qui viennent banoli. Et puis, nous avons une bonne autre forme de pouvoir pendant une période, disons, parler à la présidente Rivière, côté Haïti tellement pas campé sur rien, Haïti tellement effondré en tant qu'État, côté en toute institution régalienne, républicaine, la constitution privée, là, il n'a pas fonctionné. Et il n'a pas fonctionné. Il y en a d'ailleurs qui disparaissent carrément, la présidence. Et si vous voulez,
disparaître avec l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Le Parlement Jovenel Moïse lui-même a constaté caducité depuis le 13 janvier 2020. Et puis, le pouvoir judiciaire là, il n'a pas fonctionné à plein rendement parce que le mode de nomination juge n'est pas orthodoxe, parce que la Constitution prévoit que c'est le président qui a nommé juge dans la Cour de cassation. Mais maintenant, formalité impossible, c'est fait que Ariel Henry a nommé là-dedans. Donc, voilà dans quelle situation nous sommes, côté destin, nous, c'est pas le Libanamé, nous, le président privé. Processus. Oui, analyse. On ne peut pas dire comme ça. On ne peut pas dire destin, nous, pas nommé, nous. Et moi, bon, ak. De toutes les présentations, ça y est qu'on fait. Mais faut bonjour, nous suspendons faire des autres tout dans le pays. Vous d'accord avec moi? Constitution pays, Constitution 1987 là, que en pile monde te bataille pour lui, il crée une forme de gouvernement, il pose les bases d'un État démocratique, lui poser les bases tout de fonctionnement des institutions républicaines. Lui prévoit tout comment un président, si on vacance éventuelle, comment le cas combler. Les présidents sont des hommes. Ils ont mouru, ils ont malade, ils ont une incapacité physique ou mentale. Constitution prévoit mécanisme pour combler ça. Problème, nous, c'est que de 1990 à nos jours, tous nos gouvernements pas jamais prend décision pour respecter les échéanciers électoraux. Et c'est ça qu'on a vivre là aujourd'hui. Oui, ça c'est le problème. Là. Et c'est ça le problème. Là. Et le fait que vous pas jamais prend mesure pour respecter les échéanciers électoraux qui t'a permis le renouvellement automatique des institutions républicaines, aujourd'hui, nous avons un vide total au niveau de l'ensemble des pouvoirs de l'État. Et des institutions. Et c'est là que moi, je voulais arriver à voir. Le jeu, force à couper. Et vous parlez de CARICOM, le conseil présidentiel. Soit, je dis à ce qu'il faut comprendre. En fonction de la théorie du fonctionnaire de fait, ce conseil, cette formule, il n'a pas une légitimité constitutionnelle pour moi. Que son situation est extrêmement risquée et dangereuse, mais ça m'en dit tout que ces acteurs ont élevé tête à la dimension des atteintes de la population et le plus rapidement possible, ils ont pris des mesures pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est là que je devrais arriver. OK. Mais maintenant, président Brivère, soit parlé à la, pour le monde qui est dans le conseil présidentiel, tu as pris mesure. Et de attendre yo. Et puis moi parler tout de opportunité de moment historique qui nous la donne là parce que chaque temps pendant transition gagne des crises et puis gagne des phénomènes naturels tant qu'on parle de terre de janvier 2010 là qui viennent ouvrir des portes et d'opportunités des fenêtres d'opportunités que nous pas profiter de yo parce que malheureusement dans moment ça yo nous pas toujours gagne leader qui prend dimension et attente population de sa priorité à faire pour gérer la situation. Ça yo. OK? Maintenant, qu'on y a là, vous parlez de pour gagner des mesures qui prend rapidement pour retour à l'ordre constitutionnel. Situation là, dans la, et président privé, pour nous retourner dans l'ordre constitutionnel, là, gagner un ensemble de devoirs pour nous accomplir préalablement. De voir ça, qui ça, oui, nous avons un gros défi. Premier défi, hein, le premier des défis, c'est la sécurité. Parce que l'État s'est retiré de l'espace Haïti, et puis les gangs se sont engouffrés dans la place de l'État. Gangs refourés, puis refourés, parce qu'on connaît par la joue, la nature horreur du vide. Et perspective pour nous capables. Résoudre le problème de sécurité, hein, c'est une intervention de forces étrangères. Et arrivée force étrangère là, imminente, moi, ouais, dans la dernière formation qui baille, yo, première unité, il dit y a prévu demain, et puis, gros déploiement à partir du 26 mai. Qu'on y a là, gagner un cahier de change pour le conseil présidentiel.
président Wiver. Cahier de charge là, li copieux. Conférence nationale, réforme de la Constitution, créer conditions pour élection, mobilisation pour élection, conseil électoral, etc., etc. Est-ce que, alors, ça veut dire, retour à le constitutionnel, ou à parler rapidement, li pap capable rapide, vrai, parce que, et conseil présidentiel, la commission que l'IDI l'a exécuté jusqu'au, et la promette pouvoir, jusqu'au 7 février 2026. Ça veut dire, nous là pour 21 mois, pour nous organiser tout ça au prévoit dans le cahier de charge conseil présidentiel là. L'aime pas de retour à notre constitution, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le pays, il doit être dirigé par des autorités légitimées par les urnes. Mm-hmm. Ça veut dire qui ça? L'organisation du processus électoral, au moins c'est la principale priorité de ce conseil et de toute équipe de transition, et c'est pas pour rien que le 3 janvier, nos interviews ont été rappelés pour le premier ministre Ariel Henry, qu'il n'a pas approché vers les 36 mois de sa gestion au pouvoir, il était temps qu'il amorçait le virage vers l'organisation des élections. Donc les élections, pour moi, c'est la principale priorité de ce conseil présidentiel, et ça me le retour à l'ordre constitutionnel là. Mm-hmm. Mais pour l'organisation de ces élections, un ensemble de décisions qu'il doit prendre. Et comme on était dit récemment, l'action gouvernementale, c'est l'affaire du gouvernement et du premier ministre. C'est la constitution qui dit que l'action gouvernementale, le gouvernement conduit l'action gouvernementale. Donc, le conseil présent jusqu'à présent, il n'y a pas un gouvernement. Priorité, c'est bâtir un gouvernement. Faut, lorsque fin de gouvernement, il faut le former conseil électoral. Li. Et même pour assurer ses conditions de sécurité, la force multinationale a privé dans le pays, il a besoin des interlocuteurs. Ces interlocuteurs, c'est le gouvernement. Donc, pour moi, tout ça participe des exigences que le conseil doit prendre le plus rapidement possible pour attaquer les vrais chantiers que pour l'exécutif. La formation d'un conseil électoral provisoire, l'élaboration du décret électoral. Et est-ce qu'on peut valablement organiser prochaine élection sous l'empire de cette même constitution sans la réformer? Si c'est le cas, même crise nous gagnons pendant les 20 dernières années, ou que chaque 4 ans, nous avons dysfonctionnement du Parlement, n'a toujours retourné là-dedans. Si nous pas profiter de ce momentum pour au moins nous réviser les articles qui fixaient peut-être dans un espace de 5 ans, nous avons 3 compétitions électorales pour nous organiser que malheureusement nous pas jamais réviser. OK. Et c'est certain que, bon, vous-même, président Pivert, on va parler en connaissance de cause. Parce que vous êtes président provisoire, vous avez gagné 1 an, ça veut dire que vous avez gagné un agenda serré pour faire élection, pour créer, permettre l'institution de retourner et refonctionner, et puis pour retourner dans son relais à l'ordre constitutionnel. Là. Maintenant, je dis dans sa noyé là, et gon état d'esprit, d'après moi-même, qui n'est pas bon. Dans le conseil présidentiel là, parce que il y a des gens qui parlent de mission et attente population hein, par rapport à travail qu'ils viennent faire et qui a conseil d'adieu t'a voulu prendre plus la plus grosse part du gâteau et puis ignorer reste mon yo bon état d'esprit et qui pas bon c'est état d'esprit de partage de pouvoir. Moi par exemple hier de 3 moments dans la transition, côté et fait de façon rapide et ordonnée, assez ordonnée. Moi, par exemple, en 1990, le général Avril tombait, Madame Trouillot montait au pouvoir 13 mars 1990, et puis 7 février 1991, il remet le pouvoir au président élu 11 mois après que le dérivé est dans le pouvoir. Deuxième exemple, c'est exemple 2004 là, le président Aristide perd du pouvoir deuxième fois côté gouvernement la tortue Boniface Alexandre là, il a organisé l'élection
et qu'on problème là dans par rapport à la question deuxième tour est pas fait, gain des autres communautés internationales à faire interférence là dans et pouvoir accepter interférence là yo. Et malheureusement qui vient faire que ben là il pas passé comme ça d'ado et processus là pas qui est d'ado ça là il pas régulier à 100%. OK, mais malgré tout personne pas contester la victoire de René Préval comme président. Et puis troisième processus là, c'est processus ou mener ou même et en un an ou fait et organiser élection, former CEP, organiser élection et puis Jovenel Moïse ensemble avec plusieurs autres parlementaires vini et il y a les députés, sénateurs dans le parlement, mairie etc. Jodi, il y a 21 mois pour dans échéance pour nous capables river faire toute bagaille ça yo. Est-ce qu'on pensait n'a gain temps réformer constitution? Bon, gain on bagaille ou dit là président Privert. Ou dit que au moins faut nous réformer constitution et puis pour nous tava rétablir la régularité des échéanciers électoraux. Mais maintenant, est-ce qu'on pense vraiment que ces constitutions, même si ces constitutions ça, qui en faute qui fait que président yo pas et prend responsabilité yo, puis on fait élection, respecter calendrier, échéance électorale, nous connaît, et chaque deux ans nous gagne élection pour renouveler un tiers sénat, et chaque quatre ans nous gagne élection pour députés ensemble avec magistrats yo, et puis chaque cinq ans nous gagne élection pour nous faire pour président yo. Quel que soit le régime constitutionnel, nous l'a donné le président Privert, gagne a fait de la volonté manifeste de respecter la loi, ok, pour sa constitution dit hein, par rapport à qui le pour faire élection puis au fait ça veut dire que nous avons des constitutions que nous pas amendé constitution que nous avons l'autre constitution ou qu'a toujours trouvé un président dans tête l'état et puis qui traîne un pied et puis qui décide de pas faire élection à temps et on croit que effectivement ou toucher problème là c'est pas et en ce qui a trait au conseiller présidentiel. Et une partie de l'idée que tout le monde qui l'a dans lui, peu importe l'origine politique, il n'est pas qu'à insensible à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. La situation sécuritaire, la situation des milliers de compatriotes qui ont abandonné Kayo, qui ont perdu bien, yo, qui ont mouru. Quantité qui vivent dans des camps, état pauvreté dans le pays, insécurité alimentaire, crise alimentaire, il n'y a qu'un acteur politique qui t'a doué insensible à ça. Fort de ceci, on va avoir le bénéfice du doute que yo animé de vrais, de bons. Yo animé de bonnes intentions pour sortir le pays de cette crise. Président Privert, bon objection et par rapport à qui ça me dit au crédit ou fait acteur politique qui dans conseil présidentiel là que yo capable yo pas insensible à ensemble de problèmes, à ensemble de situations, défis pays à vivre. M'a rappelé nous sommes un gouvernement avec et docteur Ariel Henry qui passait 33 mois, côté l'été insensible, côté le pas concerné, pas un rien qui t'a passé en Haïti. Donc ça veut dire, nous faisons illustration d'un pouvoir non assumé, d'un pouvoir indifférent, d'un pouvoir apathique. Donc moi-même, je ne peux pas faire gros crédit ça à aucun acteur politique, je dis, pour me dire, je ne peux pas croire insensible, parce que le regard de ça qui fait dans l'élection 30 avril pour tenir mes coordonnateurs conseillants, et coup bas qui baille là, c'est des hommes politiques, c'est des secteurs politiques qui baillent. Donc, je ne peux pas faire gros crédit ça. Bon, son choix, même parce que l'être humain est perfectible. Son choix. Mais pour moi, donner sous affaire constitution. Permettez-moi de reprendre une déclaration que je fais récemment. Oui. C'est Enek Jean-Charles, autant que je me rappelle dans une interview, qui a dit que les constituants de 1987 n'ont pas été contre tout Haïti, c'était démocrate. Malheureusement, les faits montrent nous que tout
tous les Haïtiens ne sont pas forcément des démocrates. Donc, c'est ça qui mène nous côté nous là. Et moi, je compte l'idée que la Constitution, c'est lui-même qui problème pays. J'aime toujours dire. Si qu'on change Constitution, qu'on réforme Constitution, qu'on change de régime politique, si moun qui arrive dans tête l'État, ce n'est pas moun qui imprègne de la culture démocratique, on aura toujours un pays en crise. Excellent point, excellent point, excellent point, président Privert. Mais par contre, qui s'arrive? Et bon, maintenant, la Constitution avant. La Constitution n'a reconnaître au pouvoir exécutif aucune compétence législative. Répétez, songez mot ça. La Constitution ne reconnaît au pouvoir exécutif aucune compétence législative. Le Parlement fait des lois sur toutes les questions d'intérêt général. Mm-hmm. Mais qui s'est passé? C'est vrai que parlementaires nous n'ont pas été à la hauteur de leur responsabilité en matière de production législative. Et les gouvernements, c'est intentionnellement, ils ont décidé pas organiser les élections pour le renouvellement du personnel parlementaire pour venir retrouver au non vide législatif et publier des décrets à profusion. Au Brésil, c'est ça qui arrive dans tous les gouvernements qui se sont succédés. Et ça veut dire que moi-même, moi, toujours bien répété, dit, je comprends le président qui, en deux occasions, s'est retrouvé sans parlement, qui n'a pas gagné à prendre des décrets à profusion. Et le gouvernement, l'administration que j'ai eu à diriger pendant un an, n'a pas gagné aucun décret qu'il te prend. Mais tous les présidents qui se sont succédés, tout privé prend décret. Parce que rêve yo, et nous n'avons qu'à dire chimère yo, objectif yo, n'y pas correspondre à un régime parlementaire où les lois doivent être discutées. On prend exemple. Mais actuellement, il y a le code pénal. C'est vraiment d'accord avec vous. D'accord. Un code de plus de 1500 articles, ce n'est pas du jour au lendemain que un parlement pourra le voter. Mais qu'est-ce qu'il a, alors que le Parlement était fonctionnel? Non, il y avait une paresse législative par rapport au vote du code pénal. Mais ça n'a pas le pouvoir non plus, compétence pour prendre un décret pour le faire. Non, moi d'accord avec le président Rivière, mais là lui-même, Parlement qui passe, qui était un projet code pénal, la réforme code pénal devant EOA, moi pensais que l'exécutif l'a été proactif pour le mettre parlementaire devant responsabilité pour le voter code pénal. Aussi valable pour le code civil, valable pour le code fiscal, aussi valable pour toutes les lois de la République. Donc, or, comment un gouvernement peut-il être efficace s'il n'a pas les moyens légaux pour le faire? Or, ces moyens légaux, c'est pas valide. Donc, les parlementaires doivent aussi bien que le gouvernement montrer à la hauteur de responsabilité. Et quand moi dis que la réforme, au moins, l'a visé à réaliment des mandats, si les articles 61 à 95 qui traite des mandats des différents élus, lui prévoit trois élections dans un espace de 5 ans. Est-ce que le pays a des moyens pour répondre à un tel engagement, trois élections en 5 ans? Deuxième contrainte à ces élections. Après les premières élections de 1990, aucun gouvernement, bon, minimiser le pito, les tendances pour former le conseil électoral permanent ont toujours été viciées à la base. Donc, de 1990 à nos jours, nous n'avons jamais été conseil électoral permanent en place. Je pense que ça, c'est une faute grave, président Rivière. Mais nous n'avons pas créé conseil électoral permanent. Ça, mais c'est lui qui mettait nous, à chaque fois que nous problème, qu'on vide, nous obligés de créer un conseil électoral provisoire, nous obligés de prendre un nouveau décret électoral.
Donc, pour moi, dans le cadre de cette réforme que conseille ça, présidentiel ça, faut que tout problème ça, nous adressions une fois pour toutes. Parce que si nous pas adressons, pas de quelle garantie qu'on gagne. Président qui est élu dans les prochaines élections, il pourra respecter échéancier. Et dans les quatre prochaines années, on pourra retourner encore nos dysfonctionnements du Parlement. Moi, je fais une proposition. Excusez-moi, président privé, par rapport au dit, et nous, si vous ne pas réformer, nous ne pouvons pas arriver encore côté président, pas respecter échéancier électoral. Moi, je fais une proposition. Dans le cadre de réforme de la Constitution, il n'y a pas l'air. Pour nous mettre en provision dans l'article 136, là, bon, il n'y a pas l'article 136, c'est pour refaire la Constitution. Mais l'article 136, là, fait du président de la République, ok, c'est lui-même qui garant l'institution et de la continuité de l'État. Maintenant, pour résoudre le problème président par respecter l'échéance électorale, qui sont préoccupations, qui fait qu'il y a une crise, ça, yo, parce que tout président, ça, yo, qui passe yo, là, qui pas respecté l'échéance, parce que il rêvait de gagner l'exercice des pleins pouvoirs. Maintenant, ça m'a proposé, en deuxième paragraphe, à l'article 136, là, j'ai libéré aujourd'hui, côté là, dit, dans le cas où le président est défaillant dans affaire garant institution et continuité de l'État, président ça, depuis le défaillant, dans tâche ça, les réputés démissionnaires. Et le Parlement prend les dispositions pour renvoyer le président. Et puis. Oui. Là, mon remarque pertinent. Eh bien, on allait m'attendre des pertinents sur remarque-là, président. On allait. L'accord que j'ai signé avec le président Michel Martelly le 5 février 2016. Conformément à la Constitution et de bonne foi, nous découvrons que la reprise du processus électoral n'était qu'à compléter dans les 120 jours. De bonne foi. Mais il se trouve, premier handicap, former un gouvernement, convaincre le Parlement à approuver ce gouvernement. Deuxièmement, élaborer, former un nouveau conseil électoral. Mais troisième point, il fallait une évaluation approfondie des étapes déjà franchies. Première élection 2015-2016, qui tant taché de très graves irrégularités à 6 000 là-bas de la fraude, telle que l'avait conclu la commission présidentielle dirigée par le professeur Rony Desroches, il était demandé pour nous refaire vérification. Ça Siève, là, on ça parle. Du temps. On parlait de Siève, là. Le Siève. Mm-hmm. Mais à la fin des faits, quand les 120 jours sont arrivés à échéance au 14 juin, que disait l'accord? L'Assemblée nationale, à l'expiration de ce délai, prendra les dispositions qui s'imposent. Et alors, l'Assemblée nationale ne s'est jamais réunie parce que les parlementaires proches de l'ancienne équipe gouvernementale et pas accepté par quorum. Non, alors moi-même, moi j'ai analysé ces questions ça et me sens j'ai une entrevue avec Valérie Numa et Vision 2000 à l'écoute, était invité moi. Le nous t'es presque arrivé à 14 juin. T'es gon sorte de emballement dans la classe politique là avec mon emballement qui pensait que le 14 juin et au même président privé et justement référence à l'accord du 5 juin. Faut quitter le pouvoir. C'est pas ce qu'il t'a dit. C'était pas ça. Non. Attendez, pas dit c'est ça qu'il t'a dit, non? Ou bien rappeler l'article là. Il dit comme ça, si nous vivons 14 jours. À l'expiration du délai des 120 jours. Oui. Donc l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent, oui. Mais il fallait qu'elle se tienne sur l'Assemblée générale. L'Assemblée nationale. Pour la décision. À ce moment-là, à chaque fois la séance est programmée,
elle est boycottée. Mais peut-être, c'est pas un objectif justement pour te dire que c'est arrivé dans faire mission et que vous pas accompli et puis pour aller. Non. Il fallait une décision de l'Assemblée nationale. C'est pas le fait que deux trois monde pas réunis nous. L'Assemblée nationale devrait se réunir et décider de la fin ou de la prolongation. Oui, mais qui est-ce qui devait convoquer l'Assemblée nationale, président Privé? Elle est, l'Assemblée nationale était automatique parce qu'elle était en session ordinaire. L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire autant de fois que le voulait. Seulement à l'extraordinaire quand elle n'est pas en session. OK. Maintenant, président Privé, je dis, en réalité, nous y est là. OK? Et gain yon bousculade. Moi parlé tout à l'heure de embouteillage dans porte bureau premier ministre là, parce que information dit gain 89 monde qui postulé pour venir premier ministre. Ouais, processus ou connaît par expérience, ou t'es dans parlement, président sénat et sénateur, plus ou fait écoute un an président et provisoire. On connaît qu'il y a un processus de formation du gouvernement haïtien, l'Ilan, et pour choisir premier ministre, etc. Bon, maintenant, gagne un bagage, n'a pas l'évacuer. Grand temps, nous pas perdu dans la ratification premier ministre parce que pas gagne parlement. Okay? Parce que j'ai un bagage à faire là, même si critères n'ont pas publié, nous pensons que le conseil présidentiel, il faut le bailler tête le délai, et je dis, inscription a fini. Et après ça, par contre, on a quitté les abeilles et pour choisir premier ministre là. Et faire au bail pays hein, et critères de sélection yo, qui m'a dit pas le faire parce que nous pas capable, il va pas le prendre 89 non, il mettait au non panier et puis au virer et puis au tirer en premier ministre en non au sort parce que à compétence égale si vous voulez, il t'a qu'à faire ça. Mais dans la situation nous y a là, pour le sérieux de la question. Parce que tout ça qui peut passer là dépend de un premier ministre qui est compétent et d'un gouvernement qui est performant pour nous capables d'arriver dans un délai 21 mois, livrer marchandises là et au 7 février 2026, retourner à l'ordre constitutionnel tant qu'on dit là. Donc, on n'a pas d'inquiétude ou même et par rapport à et lenteur nous le processus là. On dit un bagage. 89 candidats au poste de premier ministre, il n'a pas dit c'est une bonne chose. C'est l'intérêt de mes compatriotes pour la prise en charge des affaires de notre pays. Oui, puis vous venez servir l'État. Vous venez servir l'État. Si l'intérêt, c'est ça. Mais par contre, si l'intérêt, c'est venir partager. Gâteau a qui presque fini, ce serait dommage pour le pays. Maintenant, même pense que à partir du moment qu'on assume une responsabilité, on a l'obligation de délivrer. On a l'obligation de délivrer. On va faire mourir le président Privé. Même si on va faire mourir, c'est que nous sommes bon exemple, le gouvernement Ariel Henry a passé 33 mois qui n'a pas délivré quoi que ce soit. Non. Mais d'où, comme donc, Erol, sympathie de l'idée que le gouvernement Ariel Henry n'a pas délivré quoi que ce soit pendant 30 mois et que le conseil présidentiel n'a pas délivré pendant 24 mois, pas délivré, mais pas 24 mois. Donc, définitivement, moi-même, je choisis de rester dans le pays. Mais qui message nous voyons bail peuple haïtien? Nous voulons dire pas rien pas bien résoudre dans le pays. Le pays ça pas bien changer. La crise ça pas bien fini. Comme bail le bénéfice du doute que M. Sokila est conscient de la gravité de la situation Monsieur et Dame. Puis ça me décourage pour prendre les mesures qui s'imposent. Parce qu'elle me dit l'autre jour, la présidence, qu'il soit un président, qu'il soit un conseil présidentiel, il ne leur revient pas de conduire l'action gouvernementale. Oui.
Donc, par conséquent, jusqu'à présent, ils sont coquilles vides tout autant qu'ils n'ont pas qu'à gagner une équipe gouvernementale. Il y a urgence, donc, il y a péril dans la demeure. Mm-hmm. Et c'est ça fait que je me dis, le tout premier devoir de ce conseil, c'est de se donner un gouvernement. Oui, ça veut dire, nous n'avons réalité, nous n'avons flou, je te dis ça depuis 2 semaines, nous n'avons flou, qui n'est pas favorable à pays. Flou ça, il est favorable à délinquants. Et nous voyons la manifestation gang. Et nous voyons Gressier. Nous voyons dans le jour qui s'est passé là, et merger. Maintenant, je dis, hein, gouvernement, alors, conseil présidentiel là, pour lui fonctionner, tout ça pour le faire, il est obligé de référer encore à gouvernement et démissionnaire là. Donc, situation ça, li pas bon, li pas bon pour le pays. Hein. Faut nous gagnons l'autre réalité pour nous sortir net dans l'espace pouvoir et l'enri était là-dedans. Là. Pour nous gagnons un premier ministre, un monde compétent, paysan, et capable de faire confiance aux femmes ou bien garçons, et puis nous avons une équipe gouvernementale de choc. Il n'est pas plus légitime que Ariel Henry, non? Non, 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 c'est, non. Et nous ne pouvons pas parler de légitimité. Non. Non, mais quoi? Non, à Ewol, vous répétez, le gouvernement Ariel Henry n'a pas fait rien en pile fois dans l'État. Non, non, oui, oui, oui. D'accord à vous. Mais ce n'est pas mais question de légitimité. Dit, le gouverneur, le conseil présidentiel, mm-hmm. autant que le gouvernement le formé, il n'est pas plus légitime qu'Ariel Henry. Bien non, au non, contraire. Nous clair sur ça, non, nous clair sur ça, président. Donc, par conséquent, que comprendre que notre situation exceptionnelle et que l'on fait tout ce qui est possible pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Non, nous d'accord. La force multinationale. Ou annoncer que demain, quelques éléments pourraient venir. Il dit qu'il y a 200 qui vont venir. Et le reste, à partir de la fin du mois. Mm-hmm. Mais ils ont besoin d'un interlocuteur. Et c'est le gouvernement. Ce n'est pas le premier ministre. Ce n'est pas le conseil présidentiel. Nous d'accord sur ça, président Privé. Par conséquent, il n'y a pas qu'à traîner pied. OK. En nom clair, président Privé, sur la notion de légitimité. Aucun gouvernement qui est formé et Jean a formé là à partir d'un tweet dans Ariel Henry, etc. Pas qu'à gagner légitimité. Aucun gouvernement souvle que nous devons on fait accompli, ok? Parce que ça nous y a là, où il y a parlé de situation de fait, nous nous fait accompli. Maintenant, c'est pas parce que gouvernement ça n'a pas gagné légitimité parlementaire, parce que le gouvernement haïtien dans le régime présidentiel encore en vigueur, constitution 87 là, 87 amendé, et le premier ministre est l'émanation du parlement. OK? C'est pas dans ça nous y a là. Non. Le premier ministre jouit de ce qu'on appelle la double légitimité. Oui, de président et puis de parlement. Le président le nomme. Oui. Le Parlement le ratifie. Eh bien, c'est ça, Mdou. Ça veut dire... Le président, il tire sa légitimité de deux façons. Au suffrage universel direct à travers les élections. Au suffrage universel indirect par l'Assemblée nationale. Mm-hmm. C'était mon cas. Non, non. Or, ce conseil lui-même n'a aucune légitimité, ni constitutionnelle, ni populaire. OK. Un fond point, et président Privé. Constitution 1987, là, que l'a amendé, que l'a pas amendé, l'y prévoit. Dans ce qui n'a pas amendé, la constitution originale, là. Il était grand article 149 qui te dit pour toute raison que ce soit, que le président pas disponible, il y a pour un juge dans la Cour de cassation. OK, pour président de cassation ou bien juge qui est ancien pour remplir vide là. OK? C'est-à-dire de ce point de vue, malgré que lutte politique là en Haïti, les gains coup d'état, les gains quelle que soit la situation qui fait président quitter le pouvoir, depuis qu'il a été respecté article 149 là, c'est-à-dire et président qui est là, c'est un président constitutionnel. Dans le cas parlant, c'était dans quatre figures récentes depuis le régime constitutionnel 1987, là, c'est la première fois que nous avons gagné une élection au second degré au Parlement. Ça veut dire, nous retournons à ce qui était passé en Haïti dans le régime politique là, en 1950, côté où gagné un président qui est élu au suffrage universel.
estimé qui dernier président qui était élu au suffrage et souvelé et Jean Parlement te fait le suffrage indirect de parlement, eh ben ou même c'est première fois après estimé, OK, qui te gagne en élection au second degré au parlement. Ça veut dire gouvernement t'a dirigé, hein, c'est un gouvernement constitutionnel tout gouvernement qui te respecté critère article 59 constitution des pouvoirs. Nous entendons nous sur ça. Maintenant, étant donné que je dis, hein, nous n'en formalité impossible tant que bâtonnier Dorval t'es fait promotion ou bien t'es popularisé notion ça en droit en Haïti. Il y a des gouvernements qui formés là, mais ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas de légitimité, qu'il n'a pas de responsabilité pour l'assumer pouvoir et il n'a pas de devoir de résultat. Depuis, où il vient dans la tête de l'État, quel que soit Jean arrive dans la tête de l'État, il a un devoir de résultat. Donc c'est peut-être ça. Il faut que les gens qui sont dans le conseil présidentiel, les gens qui parlent pour le ministre, les gens qui parlent ministre dans le gouvernement, eh bien, ils ont un devoir, ils ont un souci de résultat. D'ailleurs, et moi pense que quel que soit monde qui vient dans l'espace pouvoir là, même sous ou goti minimum d'amour propre, faut t'aimer que dans l'histoire d'Haïti, yo dit ah un tel te fait un coup de premier ministre, un tel te fait un coup de président, mais qui ça te fait pendant ce temps ça, pays t'a marché, pays pas de bloqué, pays mais OK, mais qui mesure te prend pour te faire pays en fonctionnel, vous comprenez? Donc moi pense faut diriger aucun souci ça. Mais c'est raison ça, ou bon moins. Et c'est ce que je dis, nous battons que vous assumez des nobles intentions. Mm-hmm. La situation n'a pas quitté ou indifférent. Parce qu'il y va de leur propre image demain. Non, c'est clair. C'est clair. Maintenant, président Privé, gain et l'actualité en jeudi, un grand ensemble de dossiers. Et qui en cours, dernier dossier, hein, c'est décision juge d'instruction pour le voyer M. Romel Bell devant le tribunal criminel avec Mme Lé, avec un père épiscopal. Et puis, il y a une fameuse décision juge Al-Dunel dimanche dernier qui concerne un ensemble d'anciens aux dirigeants de l'État, anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens ministres, etc., etc. Et puis, gagnent souvelé, yon alévini kap fèt, gagnent un nouveau dynamique souvelé d'enquête et pour connaît qui Jean Intel était géré et l'État, l'agent l'État, l'élite. L'élite président, l'élite en fonction, etc. Maintenant, on a commencé avec l'ordonnance juge dimanche, qui était ratissé large, qui concernait, Yann t'a parlé de ça ensemble avec l'ancien premier ministre Jout, ok, sous ordonnance ça, ou même récemment, où tu as devant le tribunal pour t'as répondre à une question, pour te clarifier position, bien situation par rapport à l'ordonnance juge dimanche. Là. Qui sont capables de nous sur ça? Qui ont réagi par le fait que où tu es ciblé par ordonnance ça? Il y a un peu que dans la caractéristique constitution 1987 là, c'est les bases d'un état de droit. Un état basé sur la loi. Et un état de droit, c'est des démocraties, l'imposé aux autorités de respecter les lois au même titre que les citoyens. Quelle que soit l'autorité. Je dis, il y a Ndagadi li attaqué par deux fléaux. La question de la sécurité avec les gangs armés et la question de la corruption où le pouvoir public l'y perçu tant qu'une source privilégiée d'enrichissement illicite pour des acteurs politiques. Et ça a créé une véritable, Ndagadi, révulsion de la société qui croit que un fonctionnaire d'État, son sacerdoce, mais c'est pas un moyen de s'enrichir illicitement. Donc, fort de ceci, fonctionnaire de carrière, il n'y a pas qu'une réaction négative à démarche que des autorités t'as qu'à faire pour forcer
les responsables à la reddition des comptes. Mm-hmm. Mais par contre, ce que nous observons, c'est que pendant ces dernières années, la lutte contre la corruption est presque traduit en instrument de règlement de compte entre adversaires politiques. Là, deux cas de figure. En 2002-2004, on va monter 2004, j'ai eu à gérer la direction générale des impôts pendant 3 ans et 10 mois. Ministre intérieur pendant 2 ans. Sénateur de la République pendant 5 ans et président pendant 1 an. À aucun moment donné, non Jocelyne Brière, pas jamais associé à aucun acte de corruption et aucun rapport d'enquête d'aucune institution quelconque, pas jamais indexé la gestion de Jocelyne Brière comme frauduleuse, comme empreinte de malversation. Ça, faut le clair pour tout le monde. Deuxièmement, non Jocelyne Brière, pas jamais associé à aucun fait délictueux ou criminel. Deuxième point. Pour ça qu'il y a un rapport avec le dossier CNU. Le rapport de l'ULCC, effectivement, qui est à l'origine de ce scandale, l'identifie un ensemble de personnalités qui ont nommé des équipements de l'État qui appartenaient au Centre national des équipements. Et il est clair aussi, ces équipements réputés, dilapidés ou détournés, ils ont fait dans le cadre du caravane de changement lancé par le président Jovenel Moïse en 2018 et 2021. Faut n'importe observateur lucide t'a commandé qui ça que des responsables publics dépouillent dans les décisions prises par M. Jovenel Moïse. Les équipements réputés, dilapidés et détournés, tels que mentionnés dans le rapport de l'ULCC, ont été pendant la période 2018-2021. Qui était aux commandes? Ok, ça veut dire qu'on n'est pas concerné ni de loin ni de près par dossier ça, parce que vous avez déjà quitté le pouvoir depuis 7 février 2017. Okay? N'est-ce pas ça pour me dire? Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a motivé M. Adjuniel Dimanche à associer mon nom aux dérives de l'administration de M. Moïse? Mais c'est pas vous-même seulement, et c'est pas non seulement le président privé. Il y a des gens qui ont quitté l'État bien longtemps avant. Ancien premier ministre, ancien ministre, c'est non figuré dans le dossier ça. Maintenant, bon, nous comprenons que la lutte contre la corruption est pour certains un moyen pour persécuter leurs adversaires politiques. Ok. Mais maintenant. En tant que citoyen, permettez-moi, en tant que citoyen respectueux des lois et d'attente de mon pays, je t'ai publiquement dit je ne vais pas répondre aux démarches de M. Dimanche. À partir du moment que Gonlord juge qui saisit du dossier, qui invite non pas comme inculpé, non pas comme complice, mais comme seul citoyen, j'ai répondu à son invitation. Mais maintenant, en tant qu'ancien président, et si vous voulez pour un exemple, et où tu as parlé de mettre tout dans la situation d'illégalité, même si c'est juste Dimanche qui te continue à dossier, hein, ça veut dire, si vous pas te présenté ou qu'on est à lancer un mandat d'arrêt contre vous. Il a fait un abus. Et justement, il a fait abus. Il a la force publique avec elle. Il a arrêté, il a exécuté, je ne veux pas. Mais pas contribuer avec elle pour violer les droits. Parce que deuxième, constitution formelle, les actes posés par un président, un premier ministre ou un ministre, dans l'exercice de leur fonction, les dit qui juridiction, qui compétente pour instruire contre eux. Ce n'est pas le tribunal de première instance. Okay. Moi, victime de ça déjà, je me suis dit,
pas quitter personne monde faire justice dans pays ça. OK, moi bien content de parler de où tu es victime déjà et tu as dit que non pas associé à aucun dossier de bail criminel etc., etc. Et au songer ou moins ouais on dit et ou passé 2 ans 26 mois 26 mois ou passé 26 mois en prison et qu'on pas retourner comme ça encore pas quitter au fort abus etc., etc. Maintenant et président Priver pas moi-même et Premier ministre, je t'ai évoqué dossier ça, dossier ou même ensemble avec le Premier ministre Neptune dans le dossier la Syrie. Moi-même, j'aimerais traiter, je m'écris sur ça, je m'opiner sur lui, je dis que moi, je crois que nous-mêmes, l'arrestation nous avons subi en 2004, c'est au nom de l'éthique de la responsabilité, parce que depuis des mois dans la fonction publique, il y a des gens en bas d'administration, etc. Et il y a des barrières qui passent soit administration, ils sont responsables de ce qui passe, même si ce n'est pas eux-mêmes qui commanditaires. OK? Par rapport à dossier, ça, président Priver, est-ce qu'on rancune quelconque pour 26 mois de prison, ça, ou quoi? Oh, oui, Wall. Kouchia, je t'ai qu'à dire. Peut-être avant de t'avoir rancune, mais absolument, j'ai un petit note. Je m'en sorti dans la prison en 16 juin 2006. Premier ministre Yvon Neptune était encore dans la prison. Il a écrit mon petit note. Moi, on référence comme ça. On dit, et ça premier ministre Neptune de Dieu, là, fait que on a l'autre approche de question rancune. Exactement. Rappelez le public, là, ça premier ministre Neptune de Dieu. Il dit, ministre privé, moi témoin de injustice grave qu'on subit. Et m'a exhorté pour ne pas avoir ni rancœur, ni rancune contre aucun monde qui fait tout ça que vous faites là. Et là, nous comprenons. Et on est ministre intérieur. Premier ministre Yvon Neptune dans le Saint-Marc. C'est dans la radio, tant que tout le monde m'apprend que le tal Saint-Marc. Pour ça, le tal Saint-Marc. Les mêmes faits que nous avons observés aujourd'hui, incendie commissariat, boulet policier, touillé policier en dans commissariat, c'est un événement similaire qui s'était produit à Saint-Marc. Les assaillants, ça ne dérive les rebelles, ils ont rentré Saint-Marc. Avec un groupe bandit Saint-Marc. Ils ont boulé commissariat Saint-Marc là. Ils ont touillé policiers. Ils ont entré dans la clinique. Ils ont râlé les gens qui sont malades. Ils ont exécuté sur place. N'était-ce pas de la responsabilité du Premier ministre de se rendre à Saint-Marc pour apporter sa solidarité aux policiers qui ont été forcés de déserter le commissariat et réouvrir le commissariat? Il a été. Maintenant, président Priver, est-ce que pour la vérité et pour l'histoire, nous-mêmes en tant qu'anciens responsables qui ont été impliqués dans le dossier ça, nous pas gain pas connaître une publication un livre pour nous restituer la vérité parce que il y a un bon rapport organisé de monde qui parlait de une cinquantaine de monde ou bien plus qui étaient morts, il y a documenté nom monio, liste etc., etc. Est-ce que nous pas gain obligation pour l'histoire et la vérité ben version pas nous de faire parce que parler de hélicoptère qui t'a tiré en l'air etc., etc., de monde qui mort pas j'aime gain liste qui était publié ni documenté au contraire les opposer aux questions. Où sont les cadavres? Si il y a 50 cadavres, même si tu as arrêté, à terre, les os ont été dévorés par des chiens sauvages. C'était la réponse. Mais, on passe le chiffon, c'est ceux qui étaient à l'origine de cette monstruosité et qui fait autant d'injustice, qui sont mes amis aujourd'hui? C'est ça qui est ça? Ils sont mes amis aujourd'hui. Ah, ok. Et bien qui présentait mes excuses, ils ont été manipulés. Bon, en tout cas, moi-même, étant donné que, ou même, livre écrit, c'est livre sur fiscalité, etc., etc., moi, je termine une autobiographie, ne t'en fais pas. Je termine une autobiographie. Ah, mais ok. Ok. non, les bons pour faire et.
et restitution à la vérité ça parce que dans le document qui est disponible président Privert et parce que moi m'a écrit un livre sur période de transition hein, dans le document qui est disponible il y a des listes de noms de monde sur les qui étaient victimes de massacre syrien. Le mensonge est un vice quand il fait du mal. Moi, je dis ça, c'est pour qu'on ait, oui, c'est pour au courant. Non. Quel document ça? Eh bien, il y aura toujours des choses à dire, mais ma douce seule bagaille. Et dans le cas de la Syrie, et dans le cas du CNE, le mal est déjà fait. Mm-hmm. Le mal est déjà fait. Parce que l'utilisation. Non, dans le cas de CNE. L'utilisation des médias et des réseaux pour salir l'image des honnêtes gens, la continuer. Ça ne dit pas gagner pour aller facile. Et c'est bien dommage aujourd'hui. Nous revenons au niveau de haine de nos semblables tels que nous pas gênés d'une n'importe quoi de yo, dès l'instant que nous connaissons, ça a fait mal avec la famille. Non, l'on dit pas gagner qui est facile. Je vous là. Le dossier du CNE, le dossier de la Syrie, pour un pile monde sont criminels. Pour un pile monde sont criminels. Alors que je n'avais jamais mis les pieds à Sema, pas de jambe qu'une réunion de planification d'aucun événement à Sema, bien plus, tout le monde oubliait que le commissariat Sema a été attaqué par des rebelles, incendiés, pillés et des pognons ont été tués. Ce n'est pas ça qui intéressait le monde. Mais ça l'est passé. Mais Jocelyn Privert impliqué dans le massacre à Syrie. C'est ça qui est. De toute façon. Pas de monde qui songe que. On me répète encore. Dossier équipement CNE perdu sous l'administration du président Jovenel Moïse en 2018 et 2021. Mais maintenant. Mais le fait que M. Adjuniel Dimanche, il a un macacri dans la rue, une monstruosité, dans toute radio, Jocelyn Privert indexé dans le scandale de corruption. Ça n'a pas fait passer. Non, mais attendez, président Privert. Bon, dans le cas pauvre, ok? Malgré le dossier la Syrie, hein, nous avons dit que même sont miraculés. Ça veut dire que vous passez à travers l'épreuve ça et puis vous allez à la magistrature suprême. Donc, Et ça sans nom, yo. Ça dit? Et ceux qui n'ont pas de nom? Non, qui non. N'ont pas cette capacité de réagir. Non, mais c'est pour te dire que, par exemple, dossier et juge dimanche, là, sous dossier CNE, hein, et bon, il y a des gens sous liste, là, etc. Moi, rappelle que il y a des gens qui étaient dans l'administration avant ou, dans l'administration et premier ministre Michel Pierre-Louis, et ensuite ministre dans Daniel Dosséville, etc., qui vraiment, c'est pareil, 2008, n'a pas parlé, 2008-2009. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'il y a les recours au tribunal. Donc, ça veut dire, si il y a un recours au tribunal, ou parler avec le juge, tribunal là, pour aller blanchir le monde qui n'est pas concerné, et puis bon, et puis on avance. Mais ça, sur les réseaux sociaux, ça a été facile. Juge la tête, Ewol. Oui. Juge la tellement connu. Il n'y a pas de dossier, non, mais. Ce n'est pas commis, c'est du gouvernement qui l'écrit. C'est pas le deux bon, pour venir une explication. Il est inculpé, il faut un mandat d'amener d'ailleurs, il faut un mandat d'amener pré-Paul, il est bloqué contre la banque, il met une tête sur le départ contre tout, il a gagné tout sur les réseaux sociaux. Non. Et puis c'est ça l'opinion publique retient. Non, c'est pour ça. C'est la justice populaire. C'est pour ça qu'il y a appel. Bon, réseaux sociaux qu'on est, qui s'est fait des gars fait dans le monde entier, malheureusement, pour qu'on ait aucun gens pour réguler. Mais maintenant, par rapport à la notion de la persécution politique, président Privert, pouvoir sortir, hein, pouvoir Ariel Henry, normalement, c'est libre. Si il y a persécution politique, c'est à pouvoir ça qui t'a va derrière et va dire persécution politique et monde qui dit victime persécution politique. Mais maintenant, qui ça pouvoir ça t'a avoir avec l'autre monde qui est criminé et puis pour t'a va fond vendetta et puis mettre au nom sur lui. C'est ce que et l'on parle de persécution politique. Est-ce que vous identifiez
et qui met qui derrière persécution politique ça. Pas d'accord avec vous, votre question. Bon, de vous qui raison. M'expliquez, les équipements du CNE, yo dilapidé dans quatre caravanes changement 2018-2021. Qui administration qui était fonctionnelle à ce moment-là? Non, 2018. Par conséquent, la société. Non, au lieu que c'est pour dire Paris, c'est pour dire qu'est-ce qui a motivé le juge dimanche à associer autant de dignitaires à une décision dont ils sont totalement étrangers. Et maintenant, c'est justement besoin justement comprendre, oui, et président Privert. Parce que pouvoir et rien, son pouvoir n'a pas dû effacer, il n'est pas assumé. Son pouvoir qui n'est pas assumé, son pouvoir qui n'est pas exercé. Est-ce que c'est pouvoir ça qui t'a persécuté? Mais maintenant, comme pouvoir et rien, c'est Ndavadjo, en émanation du pouvoir PHTK qui était là parce que le régime président et Jovenel Moïse a assassiné hein, c'est deuxième version PHTK et il a parlé de Ariel Henry comme troisième version PHTK. OK? Donc est-ce que justement on a besoin pour identifier pour nous pour l'opinion publique là qui monde qui derrière persécution politique ça? Oh, ça au grand même bagadouli. Mais on admet que ça n'a pas une autre signification non plus. À l'effet électoral. À l'effet électoral, bon. Absolument. Ok, l'on parle à l'effet électoral, la présidente Privert. Bon, je dis, nous pouvons nos processus électoral, etc. Et puis, à l'effet électoral, bon, tout le ministre qui était là dans le gouvernement avant, etc., il ne s'est pas réputé. Gampi Ladeau, c'était des technocrates, il n'a pas réputé des politiciens qui ont ambition politique encore. OK? Et est-ce que, l'on parle de fait électoral, est-ce que je dis en 2024, Jocelyne Privert a gagné et soulevé un projet électoral? Deux questions posées là. La première, est-ce que c'est seulement les autorités politiques en fonction qui ont des accointances avec les gangs armés? C'est une première réponse. Mm-hmm. Donc, alors, une première réponse sous la forme d'une question. D'une question. Deuxièmement, est-ce que Jocelyne Privert, citoyen haïtien, jouissant de la plénitude de ses droits et libertés, gon empêchement quelconque à travailler au progrès de son pays? Non. Deuxième question comme réponse à la question. Bon, je dis, hein, pour mon privé de droits civils et politiques, il faut qu'on en tribunal, en juridiction quelconque qui condamne à un peine affective. Oui, à un peine affective et infamante. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, pour je jouis de la plénitude de mes droits et libertés. Okay. Donc, rien par exemple, je suis intéressé à la gestion des affaires de mon pays. OK, mais pendant ce temps, président Privert, et même si ce n'est pas juridiction haïtienne, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, il te mette non sur la liste sanctions Canada, etc. » Voilà pour une question, non? En tant que ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on connaît, nous avons des moments précis que certains citoyens, certains ressortissants étrangers, que nous jugeons qui n'étaient pas de vrais touristes, nous avons interdit de rentrer en Haïti. Donc, c'est un droit souverain qu'un pays a d'interdire l'entrée sur son territoire de citoyens d'autres nationalités. Okay. Le Canada ou n'importe quel autre pays peut m'interdire, peut juger que je ne suis pas un vrai visiteur habilité à fouler son territoire. Vous pouvez mettre qu'on fait tout en tant que ministre de l'Intérieur. Vous ne pouvez faire aucun recours contre une décision, ça? Mais pas qu'à faire recours contre une décision souveraine d'un État. Nous sortis dans la prison, j'ai subi cette injustice. Nous étions dans le pays, m'a affronté les défis. Et aujourd'hui, je suis encore prêt à affronter tous les défis qui se posent devant moi, dès qu'il s'agit de vivre, de rester de vivre dans mon pays. Bon, en tout cas, où sont-ils vivants dans le processus ça, dans le processus sous table de persécution politique, et j'en dis là, et puis de toutes les nouvelles tentatives, nous avons dit, d'incriminer dans le dossier qui ne va pas concerner par eux. Et maintenant, président Privert, pour nous conclure,
pour nous finir. Et moi, merci encore pour la disponibilité et puis pour l'ouverture d'esprit au gagnant qui fait que il n'y a pas de question tabou que nous n'avons pas été capables d'aborder et d'entrevue ça. Et en toute transparence. Maintenant, vous-même et Jocelyn Privert, ancien président de la République, gain et élection qui va le faire au bout du processus. Jodi, on ne va pas parler d'élection. Il y a trop de monde qui n'a couru, qui quitte Kayo, qui abandonne Kayo, bandit va sur yo, yo prend Kayo, mais au boulet Kayo, qui fait que et nous, notre situation de privation de biens, et l'État haïtien n'a pas été assuré, tant qu'il y a engagé dans la Constitution 1987 là, pour lui protéger les vies et les biens, et ensuite garantir la propriété. La propriété, moi toujours, une phrase, moi dit, la propriété en général en Haïti n'est jamais définitive. Donc, propriété a toujours un monde qui dit qu'on ça ou t'es mal acheté, parle-t'es vendre ceci, parle-t'es mal vendre, etc., ou bien on va te payer assez, etc. Et c'est dans la situation ça, nous y est, je veux dire là. Pour aller gagner l'élection, et dans le fait processus là, tant qu'on demande là pour gagner, on retourne à l'ordre constitutionnel. Gagner un cas d'école, et gouvernement l'a été initié avec le ministre finance là, Yves Bastien de regretter mémoire, ensemble avec l'administration là, côté, et contrairement à l'habitude qui te gagne dans le pays, en côté, chaque fois qu'il y a l'élection, finalement, des bailleurs internationaux pour financer l'élection, non. Et ça qui fait que, ils ont imposé nous de mauvais bagages. Ils ont imposé nous compter vote blanc, ok. Ils ont imposé nous déclasser un candidat pour se classer en lot au détriment d'un candidat qui est arrivé en deuxième position. Et tout bagage ça, c'est parce que nous n'avons pas eu autonomie financière, non. Donc, moi, considérer la mobilisation qui a été faite pour nous joindre l'argent, pour nous financer l'élection, et qui a été campé, bailleur de fonds, et surtout l'Union européenne, OEA, qui a essayé d'imposer nos résultats de l'élection 2015, eh bien, nous faisons l'élection en 2016 avec financement interne. Est-ce que vous pensez qu'il faut nous maintenir la tradition ça et puis dégager des fonds à chaque fois donc pour nous faire élection pour ne pas demander et blanc financer non. Dans l'intervention que tu as fait à l'heure, vous t'es dit comme ça et dans le développement, dans le début de l'émission, vous t'es dit que est-ce que le pays a des moyens pour lui faire et plusieurs élections, quatre élections dans cinq ans, ok? Moi-même, moi pensais oui, le pays a des moyens pour lui faire élection parce que la démocratie a un coût. Et nous connaissons, nous choisissons le système démocratique à travers une constitution. Chaque année électorale, il faut l'État essayer de dégager le comité Jean-Jacques pour joindre un fonds qui est disponible pour organiser l'élection. Donc, est-ce que vous partagez l'idée de ça et que nous continuons dans la même où tout est montré pour nous capables de pas demander la communauté internationale à financer l'élection? La situation est plus compliquée. Et je dis, ça fait presque 3 mois, les ports sont fermés, l'aéroport est fermé, le pays, la base fiscale, la base de nos ressources fiscales, c'est les impôts sur le commerce extérieur et les taxes à la consommation. Beaucoup de fonctionnaires de l'État, des policiers, des hommes d'affaires ont laissé le pays. Pour moi, les ressources publiques sont de plus en plus faibles. Mais ça ne veut pas dire que ce acte de souveraineté qu'est les élections, il ne doit pas guider nous pour nous faire le choix de limiter des dépenses non essentielles. J'en sors là pour me consacrer à ce devoir national. Je pense que l'expérience de 2016 est encore qu'à servir nous. Les élections de 2015, globalement, ont coûté au pays 100 millions de dollars. Ces 100 millions de dollars pour les élections qui viennent tomber dans l'élection contestée, n'ont pas servi la cause de la démocratie, n'ont pas servi la cause de la stabilité. Élection de fait que mon administration a eu organisé nous ont coûté 60 millions de dollars dans des conditions difficiles
ou en pile projet sociaux, ou en pile projet d'infrastructure, ou en pile projet capable de réhabiliter les infrastructures détruites par le cyclone Mathieu, nous te ka utilisé fonds à pour faire, nous te consacré dans l'élection. Jodi a, nous te pour faire même choix ça. Mais faut nous assurer nous sacrifier le bien-être matériel des catégories les plus démunies pour le processus électoral, faut le mener à des résultats probants pour que demain matin, c'est bien-être population qui assure. Mais bon décision, malheureusement, que nous te prenons, alors que nous te prenons qui malheureusement n'a pas été suivi de fait. Avant de partir, Yves Romain Bastien, en conseil des ministres, te soumettre un projet de loi créant un fonds électoral. Un projet de loi créant un fonds électoral. Ce projet de loi, nous t'est déposé dans le Parlement. Malheureusement, le Parlement n'a pas approuvé. Et je pense que dans le contexte actuel, il est nécessaire que pour rejoindre Texas, passer mais là-dedans et faire désormais que l'État ici, même j'en créer un fonds pour l'entretien des routes, même j'en créer un fonds pour l'éducation. Il a créé un fonds pour les compétitions électorales, la prédation permanente, de sorte que même si demain, nous avons fait appel à des ressources supplémentaires du trésor public, mais le fonds électoral est permanent. Ça, moi, je suis d'accord avec et moi, proposer moi-même pour nous créer un fonds sécurité nationale, pour nous capables de joindre moyens, pour nous acheter équipement pour l'armée avec la police. Correct. Eh bien, président Wiver. Merci en pile pour disponibilité. Nous t'es content. C'est moi pour dire. Oui, continuez. Non, nous t'es content de recevoir. Ma foi, vraiment, que c'est la première fois. Oui, et nous avons plaisir de recevoir. Et dans mes courage. Je crois ça, oui. Mm-hmm. Mais je ne vais pas refuser ça. Parce que je toujours dit et lutte que génération ça à côté là-dedans, qui mène, qui pour permettre que je dis, n'a pas parlé de droit, n'a pas parlé de liberté. N'a pas parlé de démocratie. Je ne pas impliqué là-dedans en tant que jeune dans l'université, même tes témoins à travers mes camarades de sacrifices, de tortures qui ont enduré pour nous vivre un nouveau pays. Et c'est bien dommage que je dis, mon cap Julio, pas qu'on ait sacrifice que génération pour la fait pour nous vivre côté nous là, je dis. Merci, président Wiver. Bonne journée, souhaitée auditoire là. L'été édifié, l'été content de nous. Et dans l'émission ça, précision portée son série de points, analyse ou fait de situation politique et pays aujourd'hui. Hein. Nous avons espoir que dans l'autre situation, nous avons encore comme invité pour commenter l'actualité avec nous. Et bonjour. Avec plus grand plaisir, moi disponible pour nous. Merci beaucoup. Merci, bye président Privé. Quel promo, chapeau, parce que nous on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement. Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas besoin de bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix lui. Et moi, c'est Créole Promo SPS, fait choix par lui. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo, sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui l'a pour le bon bagaille yo, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remet et qui sont plus tôt. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.